L'enjeu principal, c'est sensibiliser les jeunes hommes, les jeunes filles, à se projeter dans des métiers liés autour de la cybersécurité, qui ne sont pas uniquement des métiers purement informatiques. C'est des jeunes curieux. C'est des jeunes qui se demandent « Ok, ça m'intéresse de comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionne un ordinateur. » Avec cette détermination aussi d'essayer d'aider les autres, d'aider les entreprises, d'aider les institutions publiques. Finalement, c'est ces profils-là qu'on cherche, il n'y a pas de profil type, mais juste déterminé à aider et très curieux. Ils sont loin d'imaginer qu'une cyberattaque est sur le point de bouleverser radicalement leur agitation quotidienne. Profitant d'une faille des systèmes d'exploitation révélée un mois plus tôt... Ça, c'est une des plus grosses attaques cyber qui a lieu dans le monde. Elle a eu lieu en 2017. Et ça a concerné 300 000 ordinateurs qui n'avaient pas mis à jour leur système. En fait, on va leur faire découvrir l'ensemble des protocoles d'attaque sous forme de jeu. Donc voilà, ils doivent comprendre un petit peu comment les hackers procèdent pour évidemment protéger les systèmes. Il faut connaître l'organigramme. Quelles sont les relations amicales, professionnelles? Qui est le patron de qui? Pour que cette personne envoie un virus, un mail, un phishing, de manière à ce que l'autre personne naturellement clique dessus. Ce qui est percutant, c'est quand ils découvrent par eux-mêmes des choses. Et le jeu, c'est vraiment quelque chose qui est très performant. On peut bien le faire chanter celui-là. Si tu voilà, on est marié, il sort avec la... C'est des jeux qui très facilement nous permettent d'identifier ceux avec qui on va pouvoir investiguer, on va pouvoir aller plus loin, et ceux qui, dès le début, ne sont pas faits pour ça, le stress, le bruit, travailler en équipe aussi. C'est un jeu qui nous permet vraiment de faire ressortir les profils qu'on recherche. C'est la petite amie qui envoie un message à son mec, ouais. Et c'est « Yo, mon chéri, j'ai trouvé une vidéo super intéressante d'un chat qui joue avec un ballon, est-ce que tu veux la regarder ?» Et elle envoie le lien. Il faut qu'on vraiment vulgarise ces métiers-là et qu'on les rende visibles. Et après, évidemment, c'est pas complètement anodin. On est juste à côté, à 15 minutes en vélo. L'idée pour nous, c'est aussi de venir chercher les talents là où ils sont, c'est-à-dire proche de notre campus. Et donc, on se balade aussi entre les groupes pour voir s'il y en a qui ont soit une appétence pour les milieux de l'info, soit déjà quelques petites prédispositions. L'escape game que vous faites, c'est exactement le type de choses que nous faisons pour recruter des gens. Il y a un jeune lycéen qui est venu me voir à la fin de l'intervention et qui m'a dit « Bon, moi, j'avais jamais fait d'informatique, je connaissais très mal la cybersécurité, mais je découvre que ça m'intéresse, comment je peux me renseigner, quelle étude je peux faire en cybersécurité ?» Et ça veut dire qu'on a réussi notre coup.